Charles III rappelle à l'ordre Camilla. Cette séquence tendue qui n'est pas passée inaperçue. Ce lundi 13 mars, le roi Charles III a prononcé son premier discours officiel en tant que chef du Commonwealth à l'abbaye de Westminster, à Londres. Une cérémonie retransmise en direct sur la BBC au cours de laquelle le souverain s'est montré très impatient avec son épouse Camilla Parquet-Bowles. Charles III, un roi impatient, ce lundi 13 mars, le souverain de 74 ans. Et Kate Middleton. Une conversation trop longue à en croire la réaction de Charles III. Lançant quelques sourires à son frère le prince Edward et son épouse Sophie de Wessex, le souverain ne s'est pas gêné pour interrompre son fils et son époux. Une main posée sur son bras, il l'a pressé pour qu'elle prenne place à ses côtés. L'air sérieux, voire mécontent, le roi glisse alors à sa reine consort quelques mots avant de se recoiffer et de s'avancer dans l'abbaye. Suivi des ducs et duchesses de Cambridge, des nouveaux ducs et duchesses d'Édimbourg, mais également de la princesse Anne et son très discret mari. Sir Timothy Lawrence, le couple s'est ensuite installé au premier rang. Une séquence étonnante retransmise en direct sur la BBC.